Qu'est-ce que vous attendez des entreprises dans le cadre de la formation ? Alors moi, je pense que ce sont deux mondes qui sont très différents et pourtant qui doivent se parler. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit trouver une rentabilité rapide et donc elle paye ses travailleurs, elle doit effectivement faire en sorte que ce qui est produit soit vite rentable. L'école, elle n'est pas du tout dans ce champ-là. L'école, c'est une fonction d'éducation, d'apprentissage, bien sûr à des fins qui peuvent conduire à l'emploi, bien entendu, mais pas que ça. La vie, ce n'est pas que le travail, il y a d'autres choses à côté. Et l'école doit fournir un certain nombre de bases pour trouver sa place dans la société. Alors moi, ce que je pense, c'est que l'école doit rester dans cette fonction d'éducation, mais qu'elle doit jeter des ponts vers l'entreprise pour que l'entreprise l'aide dans les fonctions qui sont les fonctions beaucoup plus techniques d'apprentissage d'un métier ou autre. Donc il doit y avoir des partenariats, mais l'entreprise doit aussi comprendre qu'elle ne peut pas dicter à l'école ses impératifs de rentabilité. Elle doit être un partenaire, elle ne doit pas dicter à l'école ce que l'école doit faire. Alors les bassins emploi-formation, où situe-t-il dans cette perspective ? Alors pour moi, les bassins sont importants à plusieurs titres. D'une part, ils permettent d'identifier l'offre scolaire sur un bassin. Cette offre scolaire doit répondre à la fois aux attentes des parents, des enfants et de la société en général sur un bassin scolaire. Et ça permet d'éviter de cette manière-là les doublons. Il n'est pas normal que plusieurs écoles fassent la même chose avec des sections qui soient des sections qui ne soient pas complètes dans certaines écoles. Donc ça me semble important pour organiser l'offre scolaire. Et puis ça me semble important aussi pour organiser le partenariat avec d'autres acteurs, des acteurs de la formation par exemple. On a des centres, des pôles de compétences qui ont été développés dans certaines régions. Et bien l'école peut participer avec l'utilisation de ces infrastructures. Des partenariats culturels par exemple, pour dire comment est-ce que la culture peut rentrer dans l'école. Ici on est au Grand Ornu. Eh bien, je trouve que ce serait merveilleux d'avoir un partenariat entre école et un centre culturel tel que celui-ci. Donc pour moi, les bassins emploi, formation, école et toute autre compétence doivent permettre d'intégrer les compétences des uns et des autres.